Y'a pas tout le monde, bienvenue avec moi dans ma catégorie du jour autour de l'innovation du blockchain, des fintechs et de nos banques traditionnelles. Voilà, et s'intéresser aux répercussions en fait du blockchain sur les banques traditionnelles et notamment en fait essayer de comprendre si actuellement elles bêta testent, c'est-à-dire qu'elles expérimentent et comment elles expérimentent. Donc déjà, si les banques, selon nous, elles bêta-testent, et c'est une certitude, elles bêta-testent, donc ça veut dire qu'effectivement, elles ont pris conscience potentiellement que le blockchain aurait des répercussions sur notre futur. Donc, ce qui me laisse présumer que nous, en tant que particuliers, ben, il faut qu'on prenne conscience de la même chose et que potentiellement, on commence à bêta-tester nos questions, risques, opportunités, qu'est-ce qui va changer ? Alors, dans cette présentation, j'ai essayé de vous le faire succinctement. Voilà, avec une approche, on va dire, accès particulier, facile. Voilà. Donc, le blockchain, selon moi, il appartient au champ lexical autour de la décentralisation, des registres distribués. Voilà, il est en relation avec les champs lexicaux autour de la disruption, disruption de l'économie, disruption autour de la consommation, disruption autour de l'entrepreneuriat, etc. La disruption autour de nos pensées, etc., etc. Et le blockchain, pour moi, il vient se compléter à l'émergence d'autres technologies tout aussi fascinantes que sont l'intelligence artificielle. Donc, le blockchain, en fait, de façon générale, moi, j'ai envie de dire, pourquoi on le bêta-teste ? C'est qu'on a compris que, potentiellement, ça peut être un élément qui a une importance. On essaie de voir si, oui ou non, effectivement, ça va vraiment être un mastodonte avec des effets répercussions domino conséquentes. En tout cas, déjà, d'une, les acteurs financiers, ils ont compris peut-être l'urgence de l'approcher, de la maîtriser, afin justement de ne pas se faire phagocyter et complètement liser par les petites enzymes autour du blockchain et de ces nouvelles technologies. En fait, il faut comprendre que le blockchain, potentiellement, c'est une macro-évolution. Voilà. Ou encore, je dirais, c'est une révolution, ça dépend de où on se place, qui regarde et qui on est. Voilà. C'est une vraie révolution digitale, voilà, ça va amener beaucoup d'enjeux et effectivement les acteurs bancaires traditionnels en ont pris conscience, voilà, que ça va pouvoir influencer notre devenir et potentiellement même peut-être la survie de notre espèce, qui sait, science-fiction. Bon, de façon générale, si on regarde le blockchain, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des opportunités autour du blockchain. Pour moi, l'opportunité majeure, ce serait que, effectivement, la pression mise en place par justement les progrès et l'innovation, en fait, ça a conduit à l'émergence de beaucoup d'alternatives aux banques traditionnelles, mises en place par des acteurs parfois non bancaires et traditionnels. Et ça a donné lieu à la naissance de fintech, parfois même des start-up. Alors, fintech, c'est ces deux mots qui sont liés, c'est finance et nouvelles technologies. Et ça, forcément, ça amène du bon. Pour moi, ça amène des opportunités. Parce qu'en fait, ça pousse les banques traditionnelles à s'améliorer et se perfectionner. Ce qui est, à mon sens, un avantage et une opportunité pour nous, le particulier. Pourquoi ? Parce qu'on avait pu constater, au regard de la lecture de nombreuses études et analyses qui avaient été menées par des cabinets très prestigieux, et notamment des Big Four, que, de façon générale, on a vraiment un retour et une impression que le particulier ressent un sentiment de défiance. Alors, sentiment, allez voir mes cas sur les neurosciences cognitives, c'est un ressenti, donc voilà, est-ce que c'est réel, pas réel ? Je vous laisse... Voilà, aller voir les cas sur ce sujet, c'est un tout autre sujet. Mais de façon générale, voilà, il y a un sentiment qui est global, qui est plus ou moins harmonisé autour d'un sentiment de défiance. Donc, l'opportunité, c'est que le blockchain, voilà, l'émergence des fintechs, ça pousse un peu les banques à rester innovantes et à se mettre à jour, à rester concurrentes. Voilà, donc nous, ça nous apporte des opportunités parce qu'au fond, voilà, on élargit nos gammes de produits-solutions à utiliser pour assouvir un service. Donc on a tout intérêt, nous aussi, à garder nos acteurs traditionnels. Déjà d'une, parce que c'est des tiers de confiance, comme le nom l'indique. Je crois que historiquement, ils resteront les tiers de confiance majeurs, normalement. Voilà, et à côté de ça, on a des nouveaux tiers de confiance un peu moins traditionnels, plus innovants qui se mettent en place. Et le blockchain, pour moi, fait partie d'une sorte de nouveau tiers de confiance dématérialisé, voilà, et voire même décentralisé. Donc, avant, on faisait confiance à nos acteurs traditionnels dans un système qu'on va dire fermé. Donc, dans ce système fermé, on gérait bien nos risques. Et aujourd'hui, en fait, on vient à échanger dans un monde où nos tiers de confiance évoluent dans un système qui est dit ouvert.
Donc toute la question est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir maîtriser et encadrer tous ces risques dans le blockchain qui est au fond, même s'il offre beaucoup d'avantages en termes de traçabilité, voilà, et de fiabilité du registre, etc. Donc il offre plein d'avantages, mais pour autant, comment on va gérer les risques liés à ce système ouvert ? Alors, moi je dirais, pourquoi pas en opportunité revenir sur nos banques, en fait, fintech, blockchain, en fait, je pense que c'est des leviers plutôt opportuns. Pourquoi ? Parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de réinstaurer la force du mariage, en fait, entre nous les particuliers et nos acteurs traditionnels. Donc pourquoi pas en opportunité ? Alors, dans le cadre de ce sujet, je vais essayer de m'intéresser à essayer de comprendre comment, en fait, les banques traditionnelles, elles bêta-testent cette techno. Alors moi j'ai envie de dire et appuyer un point essentiel, c'est que même si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est vraiment vraiment pas nouveau et en fait ça fait déjà bien bonnes années que les banques elles expérimentent le blockchain. Et moi je dirais largement plus de 5 ans. Voilà, je le suis depuis 5 ans, j'adore lire les articles et les synthèses qu'ils ont sont faits à ce sujet. Mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau et je dirais même qu'on est à d'autres phases d'expérimentation dans le bêta testing. Voilà. Ou alors, je dirais, d'autres phases d'expérimentation dans le prototypage. Alors, l'expérimentation donc, des banques autour des blockchains, c'est pas nouveau. Donc ça, j'insiste là-dessus. Et en fait, ça a été mis en place depuis maintenant plusieurs années. C'est donc une fausse idée de penser, à mon sens, que les banques, en fait, elles s'activent que maintenant parce qu'on prend conscience de l'importance du blockchain. Non, c'est pas parce qu'on n'en a pas parlé qu'elles, elles n'ont pas encadré la gestion de ces risques autour de l'émergence de cette nouvelle techno. Voilà, tout simplement, c'est peut-être qu'elles n'en ont pas parlé, mais je vous assure que forcément, même si elles restent dans l'ombre, elles le testent et elles le testent bien et elles ont bien raison de le faire. On n'en aura que les opportunités, c'est-à-dire relatifs à la maîtrise et à la gestion de notre risque. Donc, pour moi, les banques, elles connaissent déjà et elles maîtrisent déjà très très bien pour certaines d'entre elles, en fait, les tenants et les aboutissants liés au blockchain. Voilà, et elles maîtrisent au regard de ça, en fait, le lot de risques et d'opportunités associés à cette techno. Alors maintenant, si je vais un peu plus en détail, j'essaie de comprendre le champ d'action des bêta-tests et qu'est-ce qui a été bêta-testé ou prototypé. Moi, j'ai envie de dire que les actions, les avancées bêta-test, en fait, elles ont été surtout, à mon sens, dirigées, même si ça reste confidentiel. Bien sûr que les banques ne vont pas communiquer sur leur avancée, ça reste confidentiel, c'est de la donnée confidentielle, c'est presque de la propriété intellectuelle. Ça rentre dans voilà, le business. Donc, malheureusement, oui, elles ne communiquent pas à proprement parler sur ces tests, mais on a quand même quelques petites études qui peuvent être rendues publiques. Donc, on sait qu'elles bêta-testent la confidentialité, la sécurité des moyens de paiement, des normes, des protocoles. Elles essaient d'harmoniser les échanges, de sécuriser les flux bancaires, etc. Ça, c'est au niveau qualitatif. Mais elles essaient aussi d'harmoniser les échanges au niveau quantitatif. Voilà, parce que nos volumes, ils augmentent et ils explosent considérablement. Comment l'expliquer ? Tout simplement, la démographie et l'augmentation du besoin et l'accès beaucoup plus facile aux besoins. Rien qu'avec un smartphone, on peut répondre à un besoin. Donc, voilà. C'est très facile maintenant, donc le besoin explose. Alors, parenthèse d'ailleurs, je dirais que les flux et l'augmentation du volume, ça augmente tellement qu'actuellement, on constate même en fait l'émergence d'une économie parallèle. Voilà, une économie alternative, collaborative, appelez-la comme vous voulez, digitale, numérique. Mais en fait, c'est mis en place depuis pas mal d'années et on constate que le volume, il explose. Et pour autant, l'explosion de ce volume autour de cette économie collaborative, participative, si vous regardez en fait le forex, le cours des valeurs, des monnaies et autres, mais vous apercevez qu'elles ne sont pas forcément complètement influencées et impactées. Donc ça aiguise aussi un peu ma curiosité. On a donc c'est super fascinant. Bref, c'est ce que je voulais vous dire, c'est super fascinant. Donc, j'ai pas remarqué une grosse influence entre l'émergence d'une économie nouvelle alternative à partir du blockchain ou des cryptos sur notre économie déjà préexistante, scripturale, fiduciaire, tout le tintouin. Mais voilà, est-ce qu'à un moment le levier va jouer ? Est-ce que la balance va pencher plus sur l'un ou sur l'autre ? Je trouve que ça aussi, c'est fascinant à essayer de comprendre et anticiper. Alors, quel impact néanmoins de la techno blockchain sur l'émergence, j'irais même la répercussion de cette nouvelle économie digitale ?
digital et numérique. Je pense que actuellement, si les banques travaillent dur sur les bêta testing et sur la compréhension de l'approche blockchain, c'est justement pour peut-être être capable de mieux réguler en fait l'émergence de cette économie nouvelle et parallèle qui se met en place, voilà, alternative. En fait, le blockchain, ça va être pour moi un moyen de répondre à tous les nouveaux besoins. Donc les banques, elles bêta-testent pour justement être capables de renforcer, en fait, appuyer, compléter la notion de sécurité au niveau de l'échange, assurer la traçabilité, voilà, au niveau des transferts d'argent, des flux, de l'achat-vente, de la livraison des produits, voilà, des modes de consommation, les achats immobiliers futurs, peut-être que le blockchain y remplacera votre notaire, votre agence immobilière, etc., etc. Donc, répondre à des besoins autour de la flexibilité, les modes de consommation, simplifier aussi les usages. On veut plus facilement, plus simplement, rien qu'avec un téléphone. Moi, je dirais également aller écouter en fait mon cast sur le Proof of Work et le Proof of Concept. Pour moi, c'est les niveaux d'expérimentation actuelle. Le Proof of Work, c'était le premier niveau de bêta testing. Moi, je dirais que le Proof of Concept, c'est le deuxième niveau et c'est celui sur lequel on est arrivé actuellement, à l'heure actuelle, où je vous fais cette synthèse. Voilà. Et les expérimentations vont bien plus loin. Par exemple, les banques, aujourd'hui, elles expérimentent aussi une façon mode supply chain. Donc ça aussi, on pourrait voir qu'actuellement, par exemple, même si on se concentre sur les répercussions du blockchain sur l'innovation bancaire, c'est pas la seule. Le supply chain, on va le retrouver dans nos entreprises, dans nos industries. Et nos entreprises et nos industries aussi, aujourd'hui, avant, si elles étaient en maîtrise d'un système fermé, aujourd'hui, elles aussi, elles s'ouvrent. Donc la gestion des risques et des opportunités ne va plus être la même. Donc on bêta-teste et aussi on se pose les mêmes questions. On réfléchit dans les industries aussi et les entreprises. Comment amorcer le virage du blockchain ? Allez, maintenant je vais vous abandonner et je vais essayer de conclure parce que qu'est-ce que je papote et qu'est-ce que je cause comme d'hab ? Donc, en conclusion, qui actuellement est en train de s'y mettre au bêta-testing ? Tous les acteurs, en commençant notamment par les plus grands groupes. Alors, on va les retrouver, ces grands acteurs bancaires aux États-Unis, en Suisse, voire même à l'île Maurice, dans les Dom-Tom. Vous allez les retrouver en Asie, il y en a beaucoup en Russie, l'Afrique du Sud qui n'est pas en reste, et l'Amérique latine, je vous raconte pas non plus. Donc voilà, en fait, tout le monde. Et j'ai envie d'appuyer, et bien sûr, nous aussi, les petits Français, pareil, on réfléchit, et en fait, les startups françaises, elles innovent, il n'y a pas que nos acteurs bancaires, nos startups françaises, elles grandissent, et voilà, elles maturent au regard de cette technologie. Donc, je pense que, de façon globalisée, tous ces acteurs, de concert et en synergie, s'ils adoptent une vision plutôt opportunité collective, ils devraient nous faire des très très beaux bébés, je donne à voir. Et puis, dans les acteurs, il y en a bien d'autres aussi. Dans les grands groupes, j'ai envie de parler de groupes hyper importants, voilà. Comme par exemple IBM, voilà, qui est à mon sens incroyable en termes d'intelligence artificielle. Allez voir mes castes là-dessus. Ou alors Google, pareil, eux, ils taffent, ils bêta-testent à fond. Pareil, allez voir mes castes là-dessus. Moi, en tout cas, ils me fascinent. C'est un peu subjectif et personnel, mais je le vois dans mon angle de vue simplement. Donc moi je dirais, on parle effectivement plus au jour d'aujourd'hui des experts dans le domaine de la finance, et notamment il y a des termes un petit peu, on va dire un peu plus pompeux, qui demandent des niveaux d'expertise un peu plus élevés, mais si vous recherchez à chaque fois sur internet ou voilà, au niveau des médias ou autres, des retours d'expérience sur la notion de blockchain, banque traditionnelle, fintech, à chaque fois vous allez retrouver une notion qui réapparaît depuis à peu près, je dirais, pas mal d'années aussi, la notion de consortium R3CEV. En fait, pour moi, je le comprends simplement comme un rassemblement de banques qui interagissent entre elles, entre banques institutionnelles, start-up éventuellement, qui interagissent ensemble de concert pour essayer de comprendre les risques et les opportunités justement autour du blockchain. Voilà, donc c'est pour moi la partie R&D. Voilà. Alors, si maintenant je vais conclure, je vais dire que les banques traditionnelles, leur difficulté pour moi, c'est quoi ?
c'est de s'ouvrir justement au bêta testing, justement. Mais les banques, elles, sont plutôt en mode FAT, c'est-à-dire Factory Acceptance Test. Elles, justement, elles encadrent leur sécurité comment ? Bah justement, elles bêta testent avant lancement client. C'est-à-dire qu'elles s'assurent de la maîtrise et de la gestion du risque. Elles isolent avant de bêta tester. Ça, c'est l'opportunité. C'est pour le client parce qu'il aura un produit de qualité en étant sûr qu'avant, on se soit assuré de la gestion du risque. À côté, l'incidence pour les banques, c'est que nos acteurs traditionnels bancaires, ils vont un petit peu moins vite, mais à côté, dans la gestion du risque SDLC, Software Development Life Cycle, eh bien, ils maîtrisent beaucoup plus leurs risques. Donc, ils sont capables de sortir pour moi un produit de qualité. À côté... Oh, pardon, excusez-moi. Ça me dérange, mais c'est recheveux, ça ? Yep, tout le monde, on reprend. Je suis désolée, j'ai été interrompue par un charmant jeune homme qui venait me dire que mes cheveux sont magnifiques. C'est formidable. Alors, en tout cas, ça n'avait pas l'air passionnant ce que je raconte parce que le pauvre, il est parti vite. Alors, je reviens à mon sujet. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les banques traditionnelles, en fait, elles bêta-testent. Voilà, elles bêta-testent, mais elles nous protègent aussi quelque part. C'est pour ça que je crois que l'approche de ces acteurs traditionnels est intéressante d'un côté. Après, on a une approche start-up qui, à mon sens, est également intéressante. Mais néanmoins, elle offre une opportunité parce qu'elle permet d'innover vite, justement. Ça, c'est bien, mais après, à côté, moi, je dirais que la contrepartie associée à tout ça, c'est que parfois, on innove, mais on bêta-teste en conditions réelles parce qu'on n'a pas cette approche ou cette sensibilité pour la gestion du risque. Donc, en fait, on opère en conditions réelles. Et le risque majeur, à mon sens, ce serait que, sans le savoir, le client, le particulier, l'utilisateur utilise une solution qui est en phase de bêta-test sans le savoir. Et donc, du coup, indirectement, engage des risques à titre personnel. Donc voilà pour les risques et opportunités. Je pense qu'avant tout lancement de solutions, on va dire, nouvelles, il convient de bien mettre en place une gestion des risques et opportunités, de procéder en termes de gestion de projet, par exemple avec la gestion de projet du modèle en V, le modèle du développement de logiciels, etc., etc. Mais je pense que ça peut aider à mettre en place des functional specifications, des technical specifications, réaliser des factory acceptance tests, donc c'est-à-dire réaliser en conditions et dans des endroits environnement isolés, et après de les impliquer sur des sites acceptance tests. Et là, dans ce cas de figure, c'est, voilà, intégré dans des conditions réelles. Alors, je suis désolée, mais ce garçon est toujours en train de me regarder et apparemment, je dois aiguiser sa curiosité ou avoir l'air d'un singe, je sais pas, mais c'est possible. Alors, ça me perturbe, je suis désolée. Donc, FinTech Startup, donc ça, je vous l'ai dit, donc les bêta-tests... Quand ils sont réalisés en conditions réelles, en fait, ça peut être défavorable tout simplement aux consommateurs. Voilà tout ce que je voulais dire. Pourquoi ? Ben parce que dans le cadre des startups, l'opportunité, c'est d'aller vite, 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 vite. Mais parfois, à vouloir aller trop vite, eh ben, on encadre mal ces risques. Et voilà. Donc, si on encadre mal des risques, ça génère des risques, j'ai envie de dire. Allez, maintenant, je vais passer à ma conclusion et je vais vous abandonner. Voilà. Je vais conclure sur le blockchain, justement, et toujours le monde bancaire, et essayer de comprendre comment est-ce qu'on demande à nos acteurs bancaires traditionnels aujourd'hui d'inverser et de changer leur façon de réfléchir. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les banques, avant, elles travaillaient en système fermé, alors que maintenant, elles s'ouvrent en système ouvert. Et ça, on leur demande de réfléchir autrement, et pour eux, ben, ça va à l'encontre de la gestion du risque. Puisque plus vous ouvrez le système, et plus vous êtes soumis au risque. Donc, comment contrôler l'ensemble des risques dans un système ouvert, je dirais que c'est toute potentiellement la complexité de la chose. Voilà. Donc la grande difficulté pour les acteurs traditionnels de bêta-tester cette technologie, ça repose aussi bien sur l'habitude des acteurs traditionnels qui présentaient aussi une opportunité pour nous, c'est-à-dire de maîtriser conformément les risques dans un système fermé. Et le blockchain, lui, la problématique, c'est que c'est un réseau qui est ouvert, un réseau de pair à pair, voilà, qui repose sur une architecture client-serveur. Donc ça va complètement à l'encontre de la logique, on va dire, traditionnelle. Donc c'est un exercice difficile pour nos professionnels, voilà, du secteur bancaire traditionnel. Alors, mais la problématique sera-t-elle la même pour tous les systèmes ? Moi, j'ai envie de dire oui. Si on fait une transposition au monde industriel et bien dans bien d'autres secteurs, c'est la même chose. Voilà, on aura tous la même difficulté qui convient à maîtriser nos risques en fonctionnant dans un système ouvert. Voilà, donc je vous dis à bientôt et au revoir !